Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, je vous présente une petite recette d'aubergine au citron et à la tomate, donc un légume de saison. Et on passe tout de suite à la préparation. Alors, pour les ingrédients, on a besoin d'une aubergine, trois petites tomates, un oignon, du citron, on a besoin d'huile d'olive, deux feuilles de laurier. Une demi-cuillère à café de paprika et un petit peu de poivre noir ainsi que du sel. On commence par découper l'aubergine en petites rondelles d'environ 1 demi-centimètre. Alors si vous avez le temps, vous pouvez la faire dégorger pour qu'elle absorbe moins d'huile. Donc il suffit de mettre un petit peu de gros sel, la laisser de côté pendant 10 minutes et ensuite la laver et la mettre sur du papier absorbant pour retirer l'eau, l'excédent d'eau. Et ensuite, sur un plateau à long four, on va mettre de l'huile d'olive et disposer toutes les aubergines. On va les saler, rajouter éventuellement un petit peu d'huile d'olive dessus et enfourner pendant 30 minutes à 200 degrés. On passe ensuite à la deuxième étape de la préparation de la recette, donc qui est la sauce tomate. Donc en fait, on récupère nos petites tomates, on va les découper en petits morceaux et ensuite, on va les mixer. On réserve la tomate, on va faire la même chose avec l'oignon. Donc on découpe l'oignon en petits morceaux. Et ensuite, au hachoir, on va tout simplement le hacher finement. Ensuite, on va faire cuire du coup la sauce tomate. Donc sur une poêle, on va mettre une cuillère à soupe d'huile vierge ou d'huile d'olive. On va verser dessus l'oignon haché. On va le laisser cuire quelques minutes, en faisant attention à ne pas le brûler. On ajoute un petit peu de sel, les épices, donc paprika et poivre noir, les feuilles de laurier. On mélange un petit peu et ensuite on va ajouter donc la tomate. On mélange bien. On va couvrir du coup notre tomate, on va la laisser cuire environ une dizaine de minutes à feu doux. Après 10 minutes, on va presser un petit peu de citron. Moi, personnellement, je mets environ 2 cuillères à soupe de citron. Je trouve qu'il apporte un très bon goût et en plus, il camoufle l'odeur et le goût de l'aubergine que certains n'aiment pas. Et enfin, je dispose dessus, donc sur ma sauce tomate, les aubergines précédemment cuites au four et je recouvre et je laisse cuire encore quelques minutes. Voilà, donc la recette est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à dresser l'assiette. Alors, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, ne mettez pas beaucoup d'huile, vraiment très très peu d'huile, mais c'est ce qui donne du goût au final. Voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker, et je vous dis à très très bientôt.